Ancien sénateur Don Kato te gentan annoncé la mort président Jovenel Moïse, mais gen moun ki peut-être pas bay sa importance et yo tab joué ak sa et ki sa ki bay jodi a comme résultat Jovenel assassiné en pile moun. Et bien te toujours Don Kato c'est un ennemi juré président Jovenel Moïse. Nèg sa yo pas seulement te gen problème politique, mais nèg yo te gen problème personnel avec président. Et bien monsieur te dil et nous voilà fort les déclarations ça en dans vidéo ça. Gen sénateur Willo Joseph tout qui lui-même joue une convocation dans paquet mi balaya pour la répondre question après le tafin fait déclaration. C'est ancien sénateur Woody Celestin qui t'a touillé. Et bien un ancien journaliste Radio Mega qui c'est Néhémie Joseph dans ville Mirbalais nous songe qui ça et bien qui t'est arrivé. Et bien je dis à la donc ancien sénateur Willo Joseph qui pour la répondre question dans paquet Mirbalaya pour la bail tout détail et sous déclaration ça le fait. Est-ce que c'est vrai la vous monter ou bien c'est tout bon vrai qu'il fait déclaration ça. Et puis gain Fednel mon cher tout qui lui-même continue à mettre et donc Pierre Espérance en tout uni dans mauvais zak dans mauvais dossier kidnapping qu'a fait dans pays d'Haïti. Mesdames et messieurs, nous porter tout un grand point ça qu'a dominé actualité à pour en dans vidéo ça. Restez connecté, bonne écoute tout le monde, n'a pas oublié sous TV la caille, n'a pas tourné. Jodi a pas pral di ça l'autre collègue yo dit déjà. Mais m'a rappelé peuple haïtien 18 novembre, c'est dernier 18 novembre que Jovenel a bien pour le dans pays. Il n'y a pas de chance pour l'autre 18 novembre encore. Et ma plan son appel par tous les outils politiques qui ont réfléchi, qui ont agi dans le pays pour me dire n'a fait tout sacrifice nécessaire pour ne pas créer confusion dans notre population. Parce que 18 novembre, ça, depuis nous raté, le peuple a raté un gros coup. Nous connaissons sa date, ça a représenté, c'est date combat. C'est date bataille qui pas doit gagner confusion et qui doit faire clair. Comme c'est dernier 18 novembre que Jovenel a bien pour le dans pays, il n'y a pas de chance pour l'autre 18 novembre encore. Et ma plan son appel par tous les outils politiques qui ont réfléchi, qui ont agi dans le pays pour me dire n'a fait tout sacrifice nécessaire pour ne pas créer confusion dans notre population. Parce que 18 novembre, ça, depuis nous raté, le peuple a raté un gros coup. Nous connaissons sa date, ça a représenté, c'est date combat, c'est date bataille, qui pas doit gagner confusion et qui doit faire clair. Nous connaissons aujourd'hui, il y a des gens dans la section communale qui ont gardé le secteur à distance, qui sont contents. Ils sont contents parce que ça a fait mal en pile, là où tu as assisté, ça qui t'a passé. Et nous voyons à qui volonté, avec qui rapidité, PHTK, tu as servi avec image ça, avec son ça, pour te kembe nous yon. Dose et face et pour Kembe nous dos à dos. Et bien je dis, ni moun qui dans diaspora yon content, ni moun qui dans ville, dans l'autre commune yon content, ni moun qui dans capitale la content, ni moun qui dans section communale yon content. N'a fini pour nous dire, parce que nous pas trop long, au contraire, m'pas de même parler, l'em fin tant d'André qui dit tout ça nous te pour nous dire, mais comme forme place un mot, nous te obligé vini pour nous dire nous merci. Merci tout moun nous rencontre yon. Nous rencontrons des gens qui étaient plus fâchés. Nous rencontrons des gens qui baissent dans le secteur, mais je dis qu'ils ne sont pas d'accord à un certain moment. Mais ils ont tout. Nous allons faire lumière sur deux points. Et juste avant, nous avons dit que le dossier Chelson Sanon nous oblige à demander la presse pour aider un jeune garçon qui est en prison depuis 9 ans. Et nous allons faire des marches par nous. Parce que monsieur sont victimes, même j'ai avec nous de RNDDH. De toute façon, Chelson Sanon n'a pas cabrété dans la prison pour bagaille que le pas connaît. Et dans ce sens-là, je dis nous que l'ordonnance qui vaut émission à juger, tout chef d'accusation a été mis sous les dans 4 jours, il y a 2 tombés. Et nous n'avons pas pensé que la justice a gagné pour l'étendre. Mais le principal objectif, ça m'a fait matin là, prendre de ça. C'est justement pour nous porter un éclaircissement. Je m'appelle sur le réseau que il y a 5 policiers qui disent qu'ils ont quitté le pays parce qu'ils ont persécuté. Mes amis, les policiers, ça a été un événement qui est passé. Monsieur, ils ont été cagoulés au dernier degré, plus l'inertement, je crois. Nous ne sommes pas contre monsieur, nous ne sommes pas contre nous, nous ne sommes pas contre visage. Il est difficile pour les gens qui ont dit qu'ils ont persécuté. Quand on a l'autre raison qui fait monsieur qui était payé, il n'y a pas qu'on est. Donc, au niveau de la police, il y a une enquête pour connaître
qui moun ka persécuté yo, pour qui ça occupe pays ya, mais nous-mêmes nous pas dans dynamique ça. Et ça fait le bail là t'est passé, nous t'ai fait démarche par nous. Nous t'ai tendé on sait de paroles et nous-mêmes avec cabinet avocat nous t'ai écrit commissaire gouvernement, nous t'ai expliqué l'action t'est passé ya et nous mandé commissaire gouvernement pour ta gon face à face qui fait pour que policier ça ont intercepté la machine là que tu as expliqué pour dire c'est dans mes vol la machine entière comment faire de 9h à 11h moins nous sur route Delma zone 40B et ça nous mandé pour tout expliquer et puis pour dire celle t'a utilisé technique qui gagner pour voir les téléphones m'ont été sonné dans quelle position que m'étais par rapport à déplacement monsieur à vol la machine là qui était dans mes. Donc, l'homme finit qui commissaire gouvernement nous explique dans le détail de tout ça qui est passé. Le document ça ne parle jamais rendu public. C'est lorsque nous venons de paquet de en pile, nous expliquons au commissaire gouvernement la situation. Il tendait nous. Il tendait ça nous dit. Et puis, il écrit la direction générale de la police pour être capable de tendre les policiers et acheminer le dossier dans le cabinet d'instruction. Ainsi que. Moi gon altercation à un monde gon bagay qui passé entre nous moi écrit la justice moi porter plainte de situation maintenant qui ça que me ca servi de nuisance pour m'a persécuter la police et dans ce sens ça nous dit que policier ça moi connais si c'est vrai si c'est faux si c'est manipulation yo mais si c'est vrai nous d'ailleurs même pour dire vérité et nous même nous pas aucune démarche pour persécuter monde. Nous pas qu'on fait genre de pratique ça yo si nous t'app faire et pas ça nous t'app fait nous écrit commissaire gouvernement le 18 février bah là t'es passé le 13 le 19 février commissaire gouvernement écrit la police pour t'attendre policier ça yo et à date pour m'a parler voilà dossier enregistré dans parquet de Port-au-Prince et acheminé dans cabinet de succès. Donc on pas la justice à un groupe monde on pas porter plainte à un groupe monde pour m'a persécuter. Donc si les policiers sont sentis persécutés, nous pas dans la logique. Tout policier qui a fait bon travail, nous toujours supporter. Nous tous avons de bonnes relations avec les policiers. Même lorsque nous sommes en poste, même lorsque nous ne sommes pas en poste. Nous pas les policiers la persécution. Au contraire, nous félicitons la police pour le travail qu'elle a fait en dedans pays. Parce qu'en pile dans la victime, en pile dans la perdu vie. Et dans sous lieu de travail, à uniforme policier parfois en dans machine pour dire travail ou parfois ça arrive ou bien les déplacer dans activité personnelle. Donc nous même nous tout déplorer ça et nous tout dire fort que il y a une justice qui fait dans ce sens ça. Nous pas capable d'écrire une situation à la justice et puis pour nous taper persécuter. Il y a manipulation qu'a fait et nous clairement dit que nous connaît même moun qu'a fait manipulation ça. Est-ce que c'est vrai ces policiers qui était en altercation avec nous, est-ce que c'est vrai? Nous ne connaissons pas. Parce que nous ne connaissons pas nous, nous ne connaissons pas le visage, nous sommes cagoulés au dernier degré. Et dans ce sens, nous disons la police prend responsabilité pour connaître exactement qui monde a persécuté les policiers. Heureusement, ces persécutions ont dit, quand ça a pu être monté au dossier, vous dites, policiers portés disparus, policiers mourus, policiers prennent balle. Donc nous dénonçons ça et nous demandons la justice. Fait travailler parce que nous-mêmes, dossier par nous, l'inan paquet, li acheminé dans le cabinet d'instruction, nous attendons pour que nous ayons suite légale. Et nous croyons que ça n'a pas dit là, ça n'a pas fait depuis presque 3 mois par rapport à M. Pierre Espérance, que nous avons soupçonné qui montait un groupe bandit 4x4, qui sont un groupe gang, qui sont un groupe gang qui vient pour faire kidnapping, que nous avons dénoncé jusqu'à date. Par un prêtre qui va emporter pour nous. Il ne va jamais dénoncer nous dans la radio pour dire que c'est persécution politique. Nous faisons une énième conférence. Nous portons plainte, nous dénoncer. Les gens qui étaient dans le réseau avec Pierre Espérance, ils ont dénoncé, monsieur. Ils ont porté plainte contre ça tout. Il y a des gens qui étaient dans la gang, il y a plusieurs noms, presque 7 noms. La police a arrêté dans Tigouave. Jusqu'à présent, ça a arrêté dans Tigoua. On a demandé qui côté pays ça va aller. En matière de sécurité pour citoyens honnêtes qui ont dans le pays. Et nous renouvelons pour nous dire encore, M. Pierre Espérance, tu as enlevé Chelson San avec deux mesdames, puis chauffeur,
la guerre monsieur dans cabinet un juge a cheminé dans prison et mandé pour libérer faut reconnaître que il était con fait un série d'action malhonnête. Heureusement dans interrogatoire li bagage ça censé tomber et le nom de Pierre Espérance d'après sa chef son ça nous raconté sorti dans ordonnance là pour que la justice tende tout. Mais c'est même pour raison qui fait que Cherson Sanon pas calibré parce que Pierre Espérance est indexé dans le dossier. Donc, un jeune garçon, mes amis, qui est en prison depuis 9 ans, juge d'instruction, tandel, mais pour qui ça ne pas juger? Il faut nous poser question ça. Il faut chercher qu'on est. Son jeune même genre avec nous tous, son petit paysan. Mais qui ça Pierre Espérance en matière d'autorité? Pour que lui prenne au monde, mette la machine, pour tel bagu. Est-ce que tu as un avis de recherche? Est-ce que tu as un mandat ou bien? On connaît que l'Union a préparé ça de ce côté pour le monde qui a gagné. Mais qui monde qui t'a porté plainte pour monsieur? Est-ce que Pierre Espérance a une autorité pour faire un bagage comme ça? Donc comme c'est droits humains, tout est permis depuis ces droits humains, depuis ces représentants droits humains au-dessus de la loi. Donc, et dans ce sens, ça nous dit que faut que lumière fait sur le dossier ça. Et nous-mêmes, nous sommes des gens qui sont victimes de mauvais rapports, vieux rapports tête en bas de l'expérience. Donc, nous ne souhaitons pas que pour l'autre monde continuer à être victime. Et je dis nous, pour finir, dans quatre informations que nous cherchons, nous avons dans tout coup, nous avons démarché enquête sur deux autres dossiers qui toujours un rapport à dossier par expérience de monter. Et nous avons pas ça, par séquence. Je pense que dans une trentaine de jours, après une première séquence qui a sorti, et là, on va saisir, on va le temps aider nous à étonner comment que M. Sayo, il y a sale image pays, il y a sale dans le monde, sous prétexte que il a fait politique et tout le monde tente d'éviter l'homme. Tout le monde tente comment monsieur expliquer ça, comment il a participé, mais c'est même pratique ça. Il n'a pas fait politique loyale, il a fait politique déloyale, qui s'est détruit le monde. Et dans ce sens, ça nous dit que faut que lumière fait sur tout dossier ça yo dont ça rapport Pierre Espérance et nous dit que nous avons deux autres documents qui ont sorti information par sur ça et dans tout ça nous dit là non Pierre Espérance toujours cité là dedans maintenant qui doit de l'homme qui représente le droit de l'homme l'international ou dénoncer ou nèg qui gon groupe 4x4 ou bay tout nom moun témoigner et puis tout le monde pense que c'est persécution politique c'est blablabla ou bien c'est pas avoir fait pour faire boss non nous clair nous dit la police nous pas affaire à la police nous pas en persécuter personne nous c'est citoyen civil nous dès que un problème à un monde seul chemin nous connaît c'est la justice nous pas gain chemin ni armes ni persécution ni rien et heureusement tout yo dit c'est persécution c'est pas ni assassinat ni enlèvement monsieur. Quelque chose à côté de nous, si nous sentons, si nous pensons que c'est moi-même qui a persécuté nous, tourner la caille nous, reprendre l'activité nous. Donc, si vous n'avez pas clair, il y a des gens qui persécutent nous quelque part, porter le dossier à la justice. Merci. Merci à vous. Pas de question. En deux pays, il y a une façon pour Bini capable de gérer la question de l'insécurité à travers la République. Là. Il y a un sénateur Patrice Dumont qui fait connaître que, ensemble, attaqué. Par la justice à prendre, côté que y a cassé, côté que on dit Alpha, basio en dedans, par la justice ça, et de Patrice Dumont, il dit clairement que attaque ça, c'est des attaques planifiées, côté que le grand secteur derrière eux qui bien programmé pour comment que le carré fini avec système judiciaire PIA. Par rapport avec ensemble dénonciation, ancien sénateur, département central, Willy Joseph, c'est fait contre actuel sénateur, département central, Rémi Célestin, nous question la mort, journaliste, Rémi Joseph, Rémi Ballet, et des gars, parquet Nibalet, qui invité avec ancien sénateur, Rémi Joseph, le 20 juin, pour aller du matin, pour ta répondre aux questions, la parquet Nibalet, tout ça lui connaît de la mort de Rémi Joseph là. Organisation politique, famille Lavalasse, là on a tenu que dehors. Fait qu'on est, suite à gros mouvement, le VKP, qui fait jeudi 16 juin, dans le département sud-pays,
spécialement dans Okaï, organisation politique comme la Valence, bat bravo pour courage et détermination dans la bataille pour changement. Fait haïtien prouvé, y'a une autre fois encore, livre les conditions, la ville changée, l'histoire, bonjour en sécurité. Comme la Valence, invité, majorité à pour continuer, faire unité, un vice département pays là. Dans 11e pour nous croiser toute qualité insécurité en deux pays là. Pour nous articuler sans qu'elle saute. Pour tout nous qu'à à l'école. Pour nous qu'à vivre tant qu'au monde. Vent, tête ensemble ça, doit continuer à souffler plus fort dans tout secteur, dans le coin pays là. Fox sécurité, blahi, en deux pays là. Yon seul nous fait, ensemble nous fait, ensemble, nous c'est la Valence. Nous qui sommes notre part, c'est Dr. Maryse Natif, Joël Edouard Vogue, Jean-Michel Julien, avec agronome Anthony Dessous. C'est ensemble de nous qui sommes notre part, tout parti politique, connu la Valence. Ville Jérémy, l'enfer noir, depuis après la mort président République là. Population Jérémy, il critiquait actuel ministre. Travaux publics, transport à communication, Rosemont Bradel, qui te compte en pile bris, l'elle en opposition, tout en, je dis à l'immense pouvoir, qui t'a réglé en rien. Parce que ça, on Jérémy annoncé que, si toutefois, pas de rien qui dit, pour venir là, retourner, beaucoup là-dedans, ils ont menacé, bloqué, toute entrée, ville Jérémy, un souci pour protester contre le gouvernement en place, qu'à ce travail, de en défavorisation, majorité pour nous Jérémy. Coordonnateur national, parti politique avec Jésus, nous capables de changer Haïti. Et nous, Jean-Baptiste, lançons un appel à M. Tipote Zan illégal pour encourager